Franco Le Mignon célèbre un an d'anniversaire en tant qu'influenceur. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Salut les fans, Facebook me dépasse déjà au 237. Pourquoi? Mais un pasteur qui dit qu'Aboubacar Vincent est sorcier. Hey! Dans ce pays, mon frère. La mère, c'est effectivement dans ce pays. Vraiment, c'est malheureux. Je ne sais pas si c'est vraiment malheureux, la mère. Sinon, écoutons un peu ce pasteur. Au nom puissant de Jésus, merci Père Saint, parce que tu écoutes notre prière. Maintenant, lancez le feu contre Aboubacar Vincent, au nom de Jésus. Pourquoi? Aboubacar Vincent prend feu. Mettez-lui le feu au nom de Jésus. Maman. Mettez-lui le feu au nom de Jésus. Mettez le feu sur Aboubacar Vincent. Madonna mia. Mettez le feu sur Aboubacar Vincent au nom de Jésus. Le feu de Dieu le calcine de la tête aux pieds. Le feu de Dieu le calcine de la tête aux pieds. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu le calcine. Le feu de Dieu le calcine. Au nom puissant de Jésus. Il est calciné et... Hey, pasteur, tu lances le feu sur Aboubacar Vincent pour quelle raison? Point d'interrogation. Avant d'écouter les raisons de ce pasteur, je vous invite à la découverte de cette brave dame au nom de Kim Vani. Ok. C'est une brave dame spécialisée dans l'univers de la décoration et de la nutrition. Kim Vani est spécialisée dans la décoration interne des maisons ainsi que la cuisine. Je vous invite à faire un tour sur sa chaîne YouTube Kim Vani ou sa page Facebook Madame Fraise pour voir ses merveilles. Appelez également à ce numéro pour avoir plus d'informations en ce qui concerne Kim Vani. Ok. Pasteur, pourquoi tu mets le feu sur Aboubacar Vincent? Qui est donc en train de dévoiler son appartenance, mais également de vouloir promouvoir ça au niveau de la jeunesse. Mon frère. Et tu dis que son invitation a été où? Son invitation à l'Illuminati. Ça là, c'est jalousie. Dégage! Au nom de Jésus, ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour inviter les jeunes à adhérer aux sectes, aux Illuminati. Cette invitation ne prospère pas au nom puissant de Jésus. C'est ta bouche. Vous parlez quoi? Tout ça, c'est le manga. Hein? Seigneur, jusqu'à... Aboubacar faut prendre feu au nom de Jésus. Chégué. Son invitation prend feu au nom de Jésus. Sa promotion des Illuminati et des sectes, ça prend feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bon, ça va. On a compris, non? La malédiction. Ah, ça passe. Aboubacar a même fait quoi pour que tu le juges comme ça? Voilà ça ici, en miniature. C'est quoi? Son signe. Et voilà ce que ça représente. Mais, moi je ne vois rien. Hein. Ça représente même quoi, non, passe? Le triangle des Illuminati. Hey! Ça représente quoi, alors? Le triangle des Illuminati. Jésus! L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Et on connaît même ça comment? Donc, on n'a même pas besoin de chercher des médias à 14h. Ah bon? Pourquoi à chaque fois qu'il marque le but, il va faire ça? Il fait ça à qui? Quoi? N'importe quoi. Il fait ça pourquoi? C'est quel signe? Il est dans quelle religion? Bah ça, Gourou, c'est quelle religion ça? Bon, je vais chercher ça sur Gouligoul. Bah ça passe tout. Donc, quand on réussit en Afrique là, c'est seulement la sorcellerie. Hein. Aboubacar, c'est un nordiste, donc certainement ça doit être un musulman. Quel est ce signe? Est-ce que les musulmans font les signes comme ça pour prier? Ah, je ne connais pas où. Je dis aussi seulement. Aha. Il est alors catholique. Est-ce que les catholiques font les signes comme ça pour prier? Chaman. Donc, en conclusion, c'est quoi alors? On comprend clairement que c'est le triangle des Illuminati. Votre vie vous dépasse, mais vous êtes dans la vie des gens, comme les charançons. Tuk-tuk. Alors que votre vie est pourrie, ça ne vous sent pas. Vraiment, Fingon, je ne pense pas qu'on devrait vraiment entrer dans la vie des gens. Hein. Je te dis que... Et tout ça, c'est pourquoi, pasteur? C'est pour maudire la nation. Quoi? C'est pour maudire la nation. Alors, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Cette nation n'est pas maudite. C'est vrai. Passe, prie alors pour cette nation, s'il te plaît. Le feu de Dieu prend toutes leurs intentions au nom de Jésus. Amen. Le feu de Dieu prend toutes leurs intentions au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend tous ces esprits du mal. Tous ces esprits du mal prennent feu au nom de Jésus. Amen. Les esprits de séduction, les esprits de ruse, les esprits de secte, du désordre sexuel, ça prend feu au nom de Jésus. Amen. Ça prend feu au nom de Jésus dans cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous assainissons la nation camerounaise par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Seigneur, ton sang. Seigneur, tout cela qui était visé pour être affecté par ces images ou par ces scènes, Seigneur, nous, notre prière est que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. Que ces scènes, ces images ne puissent pas affecter les Camerounais
Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Amen. Les Camerounais de souche pure, Seigneur, nous prions que tu puisses intervenir. Amen. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Amen. Que cette malédiction ne tombe pas sur tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Oh Flore, qu'est-ce qu'on dit aux fans? Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. S'abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.